Ben Fine contre Ward. Plus de semaine, dix plus. Fine tire. Et le but! Pour Kevin Mailleux. Mailleux, belle montée. Coupe par la plaisir. Et le but! Kevin Mailleux! Ainsi seul, encore une fois. Il va de la même fin. Et cette fois-ci, réussit à marquer. Olivier Hayes. Saint-Cyr, tire. Échappé. Dans le quartier. Et le but! Détienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le directeur général et entraîneur adjoint des 3L de Rivière-du-Loup, Fabien Dubé, qui va être avec nous dans quelques instants. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. On est en pleine finale. C'est 3-1 pour le Cool FM. On ne peut pas crier victoire tout de suite pour une équipe encore. On va le demander aux gens aussi tantôt. Croyez-vous au retour de l'assurantia? Donc, jusqu'ici, là, c'est une partie chaudement disputée. Je pense qu'une chose qu'on peut dire, là, qu'on peut être sûr, c'est qu'on ne s'ennuie pas dans cette série-là. Non, on ne s'ennuie pas. On a vu l'intensité monter d'un cran dans cette série-là, là, surtout, disons, vendredi soir. Mais je pense que, tu sais, on va rentrer plus en détail dans les analyses là, après l'entrevue avec Fabien, mais tu sais, je pense qu'il n'y a rien de fini dans cette série-là. On a vraiment été opportuniste puis du côté du Cool FM là, pour réussir à sortir avec deux grosses victoires. Puis, tu sais, dans les séries, c'est pas comment, c'est combien. Fait que c'est ça l'important. Mm-hmm. Mais du côté de l'assurance, c'est sûr qu'il y a du positif à ressortir. C'est que tu sais, on a quand même dominé les deux matchs au chapitre des tirs au but. Donc, tu sais, c'est de quoi pour garder un peu de confiance puis bâtir là-dessus là, s'ils veulent revenir dans cette série-là. Donc, non, c'est intéressant. Je pense qu'au début de la série, le Cool FM était peut-être un petit peu négligé face à la grosse machine de l'assurance qui avait juste perdu deux matchs en série depuis deux ans. Elle vient d'en perdre trois de suite. C'est un peu un scénario un peu inattendu, mais c'est le fun. Ça fait que ça donne du piquant là-dedans. Puis on va voir justement là, à partir de demain, match 5 demain. Donc, est-ce qu'on va avoir du hockey en fin de semaine ou ça va être les grosses célébrations qui vont commencer demain du côté de Saint-Georges? On a hâte à tout ça. Une chose qui va être sûre, je pense que le match-up est prévu pour samedi. Donc, la semaine prochaine, notre podcast, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on va avoir un gagnant. Et ça va être la dernière émission la semaine prochaine, mardi prochain. Exact. C'est toujours le fun. L'année dernière, on avait eu Gabriel Lemieux qui avait gagné le joueur le plus utile des séries. Ça serait le fun d'avoir le joueur le plus utile des séries de cette année. Et ça se pourrait même que ça soit un habitué du podcast, notre co-animateur Yannick Tiffé, qui est premier pointeur dans les séries. Donc, si le Cool FM, ça venait à gagner ça avec une autre bonne performance du TIFF, il y aurait des chances de mettre la main sur ce trophée-là. Donc, revenez nous en parler, ce serait le fun. Sinon, on ne peut pas non plus passer sous silence Sébastien Auger, qui lui aussi doit être quand même un des bons candidats pour gagner ce trophée-là, mais c'est pas joué encore, fait qu'on va voir, mais ça va être le fun, peu importe ça va être qui la semaine prochaine, ça va être un podcast le fun. On va en parler un petit peu plus tard avec Fabien Dubé, on va en parler ensemble un petit peu plus tard de la série. Peut-être, sait-on jamais que qu'est-ce que tu viens de parler, c'est une de mes questions de pilule rouge, pilule bleue. Ben, à voir plus tard. Bon, c'est fun, il y a des pilules rouges, pilules bleues. Peut-être quelques salutations pour commencer. Danny Charette à Visa qui dit salut les boys. Mathieu Bélanger qui dit bonsoir. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous les boys. Merci encore pour votre bon show. Go, cool, go. Marjorie Turmel, qui est la blonde d'Annie, qui écrit « Bonne émission, grâce à vous, j'ai un peu de temps libre ». Donc, Yann Gaudreau qui dit « Bonsoir tout le monde ». François Poliquin qui dit « Félicitations pour votre excellente présentation vidéo de la finale, la LNH en finale, LNH sans limite, épisode 1 ». Je pense que ça va être dans nos nouvelles, on pourra en parler
Comme maintenant. Ouais, ben, je vais en parler pour faire un peu l'histoire de ça. C'est, ben, le mérite revient. Je vais faire un petit shout-out là, à Tommy Lavallée, qui est le coach des vidéos à Sorel Tracy, qui m'a parlé de Cédric Savoie, qui est la personne là, qui a été en charge de toute la production de ça. Dans le fond, eux, ils travaillent ensemble l'été sur les circuits de course. Donc, ils font un peu le tour des circuits de course. Ils suivent ça. Dans le fond, il y a un site web qui s'appelle les gars de course pour ceux qui connaissent les courses. Probablement que peut-être que Danny Charrette connaît ça un peu là, avec le bolide d'assurance qu'il avait fait. Mais en tout cas, quand il m'en a parlé, il m'a dit tu iras voir son site parce que je suis tout le temps quelqu'un qui a des idées, des projets pour la Ligue, essayer de faire des trucs. Puis il m'en a parlé, puis je suis allé voir. Puis il avait fait une petite série, un peu à la Drive to Survive sur, c'était comme le circuit urbain, le défi urbain. Je pense que c'était l'an dernier. Puis tu sais, c'était vraiment fait, tu sais, ça coche, c'était professionnel à côté. Puis j'étais comme, Colin, c'est vraiment le fun. Fait que tu sais, j'ai écrit, j'ai dit, ça tenterait-tu de faire un truc de même pour la Ligue nord-américaine? Puis là, il m'a dit oui. Donc, il y avait une petite réunion des propriétaires avant les séries, fait que j'avais soumis ça. Je disais, on pourrait faire un match, c'est des séries. C'est sûr qu'il y a des budgets approuvés dans ce genre de choses-là. Donc, ils ont donné le feu vert, puis ça a donné qu'on a fait le match numéro un. Puis ça, je pense que le résultat, c'est vraiment... J'ai tombé la gueule à terre quand il m'a envoyé le premier jet. Là, on a travaillé des petits trucs par la suite, là, mais vraiment, c'est vraiment incroyable. Fait que, les images sont vraiment belles, c'est professionnel. Mm-hmm. Puis quand j'ai entendu, j'ai fait comme « c'est la voix de Dave, ça! » Oui, ça prenait... Je vais faire une petite narration pour mettre en contexte. T'sais, quelqu'un, t'sais, c'est sûr qu'en tant que fan de la Ligue, on sait c'est quoi qui se passe, mais tu sais, c'est des gens qui ne connaissent pas trop, qui ne suivent pas trop, qui tombent là-dessus. Ben, le but, c'est qu'ils puissent rentrer vraiment là, dans les enjeux, puis l'intensité, puis l'émotion qu'il y avait dans le match numéro 1, puis tout ça dans la foule. Fait que, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est marqué épisode 1. C'est sûr qu'il reste... Ouais, c'est une autre question. Ça veut dire qu'il va y avoir un épisode 2, puis il va y avoir un épisode 3 aussi. C'est quoi, de ce côté-là? C'est sûr que c'est des projets à faire approuver, là, mais je pense que ça quand même, à date, je vois le nombre de vues que ça a eu, puis la réaction, je pense que c'est quand même assez... La réaction est très bonne. Fait que c'est sûr que le but serait d'en faire plus l'année prochaine, si on peut. C'est sûr que encore une fois, c'est un projet qu'il va falloir que se fasse approuver, mais je pense que comme premier épisode, je suis incroyablement satisfait et content du produit. Puis si on peut en faire plus, puis tu sais, peut-être faire quelque chose qui, tu sais, au moins mettons un épisode par équipe pour en focusser sur chacune des équipes l'année prochaine, ou tu sais, faire un par mois, ou tu sais, dans ces eaux-là pour comme avoir un continu de la saison, puis avoir un petit peu les dessus de ça. Ça reste à voir, mais je suis vraiment, vraiment content de ça. Yes. En tout cas, c'est quelque chose. C'est à voir, si vous ne l'avez pas vu encore, là, c'est sur le YouTube de la Ligue ou la page Facebook de la Ligue. Là. Donc, c'est un 10 minutes de pur plaisir. Ouais. Et d'intensité et de, tu sais, les entrevues avec les joueurs. Tu vois, c'est son focus. C'est entrevu à avant, puis tout ça. Après, tu vois la préparation, le petit soccer là, avant la partie. Des bonnes petites images, puis même pu avoir un petit bout d'entrevue avec un joueur de la Ligue nationale de hockey à travers ça, Anthony Beauvillier, le frère à Francis, qui est allé le voir jouer. Donc, c'est le fun. Yes. Autre petite nouvelle, on a Bob Desjardins, là, l'entraîneur des Marquis de Jonquière, qui a gagné en fin de semaine les provinciaux M18 D2, donc avec le bleu et or de l'école polyvalente Arvida. J'ai une petite photo ici pour ça. Donc, on peut voir Bob là, à gauche. Félicitations à Bob Desjardins et son équipe. Mm-hmm. Une autre petite nouvelle, c'est le collégial D1, les Genois du Collège Alma qui ont perdu en finale contre les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Dans leur équipe, les Genois, il y a l'assistant, dans le fond, entraîneur Christian Ouellet des Marquis de Jonquière également. Et j'ai une photo
Une photo de l'équipe. Donc, on peut voir en bleu, là, le troisième à partir de la gauche en bas, c'est Christian Ouellet. Donc, il y avait ça. Et bon, c'était Michael Tam qui a gagné la Coupe M18 ici, la semaine dernière. Et... on a quand même. Ouais, c'est ça. Michael Tam contre Francis Beauvillier, qui est en premier adjoint des Gaulois. En plus, donc, oui. On en avait parlé la semaine dernière. Sinon, ben, je pense que la nouvelle, la grosse nouvelle du jour, ça a été la conférence de presse des 3L de Rivière-du-Loup avec notre invité Fabien Dubé. On va en parler on va le rentrer à l'instant. On va avoir le principal intéressé pour pouvoir en discuter. Oui, des bonnes nouvelles. C'est fun d'avoir le DG des 3L avec nous. Salut Fabien. Salut les boys. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon, on t'entend oui, bien. Bien. C'est bon, c'est mieux que d'habitude, ça veut dire. Donc, en backstage tantôt, Fabien qui nous disait qu'il était le plus jeune DG de la Ligue, mais peut-être celui-là qui était le moins bon technologiquement. Là. Non, ça, vous me faites faire de l'anxiété à toutes les fois que je viens vous parler, boys. Ça paraît. Donc, pas, inquiète-toi pas, ça paraît pas. J'étais pitché en tour du boss là, en disant ça. Personne ne l'avait su, sinon. Mais écoute, je pense que le mot commence à se passer. Ça, c'est compliqué à toutes les fois que je me connecte. Donc, Fabien, on est avec toi aujourd'hui. Il y a eu une conférence de presse là, à 14h à Rivière-du-Loup pour annoncer quelques nouvelles, dont aussi là, que tu as été reconduit dans ton mandat comme directeur général et entraîneur adjoint. Éric Haley, entraîneur-chef également. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Peut-être premièrement, félicitations. Ben merci. Effectivement, c'est une bonne nouvelle que évidemment que je suis heureux, là, dans le sens que c'est pas ma décision à moi, c'est la décision de l'organisation. Puis je suis content de continuer le travail à Rivière-du-Loup. Je pense que les gens qui suivent la ligne nord-américaine sont au courant du processus dans lequel on est depuis 2 ans. Puis, depuis le retour de la pandémie, le visage de l'équipe a changé grandement, mais une cure de jeunesse la saison dernière, puis on continue ce processus-là. Donc, très content du vote de confiance de la part des actionnaires des 3L. Puis c'est la même chose du côté d'Éric Haley. Donc, l'organisation a décidé d'y aller dans la continuité puis dans la stabilité, puis on est très heureux de ça. Là. Donc, tu parlais, Fabien, d'un processus. La prochaine saison, ça va être à toi, Éric, la troisième saison que vous allez être à la barre de l'équipe. On parle là, d'un processus là, qui s'échelonne sur combien de temps? C'est quoi un peu ton plan de ce côté-là? Ben écoute, c'est sûr que je te lancerai pas un plan quinquennal comme c'est déjà dit dans la ligne nationale. Là. Mais tu sais, je pense qu'on passe un peu à travers le même processus que Saint-Georges a passé. C'est un peu notre vision quand on a décidé de. En fait, décider, puis en même temps, on n'avait pas vraiment le choix là, de faire Maisonneuve, puis de repartir sur des nouvelles bases, puis un nouveau noyau, un nouveau cycle. Je pense qu'on emprunte peut-être quelques ingrédients de la recette de Saint-Georges. Donc, on n'a pas un nombre d'années fixes, mais là, on sait que l'année dernière, c'en était une de transition avec seulement 6 réguliers qui avaient déjà touché à la ligne nord-américaine, qui étaient de retour en uniforme, là, ce qui est très peu comparativement à toutes les autres équipes de la Ligue. On était l'équipe la plus jeune également. Ben, tu sais, cette année, je pense que là, on va déjà tomber dans une année, on va enlever le mot transition. Là, je pense notre but, c'est de progresser au classement puis de continuer à rentrer les joueurs qui vont former ce noyau-là pendant quelques saisons. Là. Si on se fie un peu au Cool FM, leur année de transition, c'était l'année dernière, puis la vote, c'était cette année. Donc, en théorie, vous devriez vous en retrouver en finale la prochaine saison. Ah, ben, Colic, si c'est comme ça que ça fonctionne. Non, ben, tu sais, je pense que Saint-Georges, le travail a été débuté vraiment quand l'équipe de Trois-Rivières a quitté
Il y a beaucoup de visages qui étaient à Trois-Rivières qui se sont retrouvés du côté de Saint-Georges. Puis, tu sais, Raymond, Serge, Larry, pour ne nommer que ceux-là, ont fait un très bon travail. Puis, tu sais, sans dire qu'on essaie de copier un peu leur recette, ben, tu sais, je pense qu'on utilise un peu la même formule, tu sais, avec des joueurs universitaires, des joueurs que, tu sais, peut-être un petit peu moins vieillissants. Tu sais, eux sont allés greffer des bons jeunes universitaires à leur vétérans, tu sais, que ce soit Piper, que ce soit Tiffu. Fait que, tu sais, c'est un peu le même genre de plan qu'on est en train de mettre en œuvre d'une certaine manière. Puis, t'sais, on va espérer justement qu'on ait du... En fait, on n'espère pas qu'on ait du succès, t'sais, c'est qu'on on doit le créer, ce succès-là, t'sais, dans le sens qu'il n'arrivera pas tout seul, donc on doit juste continuer à travailler. Puis on regarde. Ah, vas-y, Dave. Ah, ben, tu sais, on... pour faire la suite, là, tu parles du succès, je pense que une bonne partie du noyau qui va faire partie de la recette pour ce succès-là a déjà été annoncé là, pour l'année prochaine. On va parler des retours là, pour commencer, là, mais l'as marqueur Maxime Saint-Cyr, le capitaine Loïc Marcotte, une très bonne recrue que vous avez eue cette année, Anthony Gagnon, tous des joueurs là, qui ont annoncé là, leur retour, de même qu'Olivier Mathieu qui a été une très très belle surprise en fin de saison, là, voir comment il s'est acclimaté à la Ligue. Parle-nous un peu du retour là, de ces quatre joueurs-là. Ben, c'est sûr, tu sais, Loïc Marcotte puis Maxime Saint-Cyr sont devenus un petit peu les pierres angulaires là, de notre attaque d'une certaine manière. Tu sais, Maxime Saint-Cyr avait connu une saison exceptionnelle à sa première saison dans la Ligue. Tu sais, Loïc Marcotte, c'est notre joueur qui a le plus d'expérience après Michael Ward, mais tu sais, Michael Ward n'est pas un joueur, on dirait, régulier. Loïc Marcotte puis Maxime Saint-Cyr, on leur a demandé de prendre des tâches de leadership qu'ils n'avaient pas nécessairement eu au sein de l'organisation auparavant. Puis Loïc Marcotte n'est pas étranger justement au succès de l'équipe. En fait, vous savez ce que je veux dire là, au niveau de la. Je pense pas qu'il y a personne qui nous voyait avoir peut-être autant de succès qu'on a eu cette année d'une certaine manière quand même. Là. On a eu une saison avec des hauts et des bas, là, mais malgré avec la situation qu'on était, le nombre de vétérans qu'on avait, la jeunesse qu'on avait, je pense qu'on est. C'est quand même une saison, on va dire, qui était quand même satisfaisante à certains niveaux. Vous avez pris un step par rapport à l'année précédente. On a eu une progression. Je pense une grande progression même. On sait qu'on partait de très loin, donc c'est sûr que la progression, on va dire, était peut-être un peu plus facile à avoir. On va dire ça comme ça, malheureusement. Mais Loïc Marcotte a eu un gros rôle à jouer là-dedans. Puis c'est pas pour rien qu'il a été nominé là, pour le trophée du leadership au niveau de la Ligue. Là, c'est que c'est en grande partie grâce à lui qu'on a réussi à créer. Cette chimie-là, de créer un nouveau groupe, un nouveau noyau, puis de rendre les gars heureux de venir jouer à Rivière-du-Loup. Dans le cas d'Anthony Gagnon, ben, on sait que c'est difficile dans cette ligue-là de repêcher des joueurs qui sont en mesure d'entrer dans l'alignement et d'avoir du succès dès l'année du repêchage. Donc, c'est sûr que on avait travaillé ce dossier-là, je crois, de la bonne manière, puis ça nous a permis justement de l'entrer, puis il y a eu quelques blessures dans son cas qui l'ont ralenti peut-être un petit peu plus en fin de saison, là, mais pour une saison recrue à l'âge qu'il avait, tout ça, je pense qu'il y a eu une belle progression, puis c'est bien acclimaté à la Ligue. Puis dans le dernier nom que tu m'as mentionné, c'est Olivier Mathieu. Honnêtement, je vais être honnête, même moi, mes attentes n'étaient pas... Il a dépassé mes attentes grandement, puis je pense que c'est un joueur qui est taillé sur mesure pour la Ligue nord-américaine, puis c'est la première fois que je voyais ça dans la Ligue, un joueur qui dispute son troisième match puis qui se fait huer quand il touche la rondelle sur la route. Là, j'avais jamais vu ça. Fait que je comprends pas d'où c'est que ça part d'ailleurs, là, mais bref, je pense que c'est un joueur qui est taillé sur mesure pour la Ligue nord-américaine. Puis sans dire qu'à Rivière-du-Loup, il a fait oublier un peu Maxime Villemer, ben. Les gens s'ennuyaient de Maxime Villemer, mais là, ils sont tombés un petit peu en amour avec Olivier Mathieu, qui est un peu dans le même style, mais un petit peu plus petit, un petit peu moins gros aussi, là, mais c'est le genre de joueur que t'aimes avoir, puis cette énergie-là, puis cette fougue-là, c'est contagieux. Là.
Si on regarde les acquisitions que tu as fait cette année, là, puis il y a des joueurs là, qui reviennent. On a parlé d'Anthony Gagnon, William C., Samuel Blanchette, Samuel Thibault, Olivier Mathieu, qu'on vient de parler un petit peu. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu en profondeur, peut-être, de l'ajout d'un Anthony Gagnon, William C.? C'est quand même des joueurs qui ont eu du succès aussi dans le junior. Des joueurs qui viennent des riverains du Collège Charlemagne. Là. Je ne sais pas si c'est des joueurs qui se connaissent aussi peut-être oui. entre eux, là, mais ouais. Ouais, disons que tu sais la chaîne, on a commencé à faire le tour là. Tu sais, Samuel Thibault qui est grand ami avec Rémi Morin, puis là t'enseignes un, puis là t'as le deuxième qui dit ah je vais venir, puis là Anthony Gagnon l'a repêché, ça serait le fun qu'on le convainque de venir, puis là après ça t'as William C, puis là Tristan Côté-Cazenave, tu sais c'est tous des gars qui se connaissaient déjà, puis tu sais c'est un peu ça la ligue nord-américaine aussi, c'est que tu sais c'est une ligue de contact interne. C'est les joueurs, ils mettent leur nez un petit peu là-dedans parce que souvent, tu sais, le gars, c'est une manière de vendre l'organisation, tout ça. Puis, tu sais, dans tous les noms que tu viens de dire, ben, tu sais, oui, on a rentré un gars comme William C. T'sais, William C qui a eu du succès, qui était dans nos trois meilleurs défenseurs durant toute la saison, qui a drivé notre avantage numérique. On a quand même eu des belles surprises. Puis on a mis des gars dans des chaises que probablement qu'ils n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir dans d'autres organisations, étant donné la situation dans laquelle on était, puis qui ont bien répondu à ça. T'sais. Puis t'sais, on ne se le cachera pas, on était l'équipe la plus jeune, puis ça l'a un petit peu paru au niveau des séries éliminatoires. Mais quand tu regardes l'ensemble de la saison, on le prend comme du bagage, puis. Tu sais, la Ligue nord-américaine, c'est pas une ligue de développement, mais à un moment donné, si tu passes pas par un processus, c'est pas une ligue que les joueurs tombent du ciel non plus, là. Faut que tu développes, faut que tu repêches, puis que tu aies le temps d'y rentrer dans l'alignement. Puis, tu sais, quand on parle de Samuel Thibault, William C., Marc-Olivier Crevier-Morin, tu sais, on parle quand même de la moitié de ma défensive, là, qui sont venus combler, puis sont venus justement rehausser là, ce qu'on avait déjà. Là. Mm-hmm. Il y a un joueur que j'ai oublié de mentionner aussi, que vous avez annoncé, qui va être de retour. Je voulais peut-être en parler un petit peu aussi, c'est Sean O'Neill. Lui, dans le fond, jouait de façon plus sporadique pendant la saison, mais était là pendant pas mal toutes les séries. Fait du gros boulot également pendant la série. Je voulais savoir, quand vous avez parlé de le re-signer, lui, est-ce que selon ce qu'il a démontré, c'est un joueur qui est capable d'apporter de l'énergie aussi, de jouer son chiffre, comme on dit, faire les mises en échec, puis d'acheter son grain de sel là-dedans. Est-ce que vous avez parlé avec lui peut-être plus d'avoir un poste plus régulier l'an prochain ou on va aller voir en temps et lieu? Ben, il y avait, tu sais, Sean avait des contraintes au niveau de avec son emploi cette année, qui fait qu'on n'a pas pu le jouer plus que ça. Dans les séries éliminatoires, ce gars-là a fait des sacrifices pour être là, pour des sacrifices personnels pour pouvoir y être. Puis je pense que en l'espace de 2 semaines, il a passé d'un joueur peut-être un peu plus méconnu au sein de la ligue, un peu plus méconnu même au sein du vestiaire, parce qu'il était là sporadiquement, à gagner le respect de tout le monde qui porte cet uniforme-là, puis le respect de tous les partisans aussi, puis probablement de ses adversaires également. Il a fait un job exceptionnel durant les séries éliminatoires. Notre parcours n'aura peut-être pas été long, mais il nous aura permis d'en apprendre beaucoup sur plusieurs joueurs. Puis, dont Sean O'Neill qui, en fait, quand tu parles de joueurs qui step up dans les séries éliminatoires, ben, il le fait alors que Samuel Lévesque était encore blessé. Puis, au-delà de ce qu'il peut amener au bout du point, mais c'est un joueur, je pense, qui est taillé sur mesure pour la ligue nord-américaine. Parce que, comme tu l'as mentionné, c'est un joueur qui est capable de jouer un chiffre, qui est capable de déranger, de frapper, de tout ça. Puis, tu sais, je pense que la ligue nord-américaine s'est rendu ça aussi. Tu sais, des hommes forts qui ont de la misère à se tenir debout, là, on n'en voit plus de ça. Là. Mm-hmm. Puis, d'avoir des joueurs comme ça qui sont en mesure de prendre soin d'eux, prendre soin de leurs coéquipiers, puis sont en mesure de participer à l'aspect spectacle, mais tu sais, qui sont capables d'aider l'équipe aussi à gagner des matchs de hockey, ben, tu sais, c'est important. Puis, tu sais, Sean O'Neill, c'était quand même dans notre liste de priorités, là, dans les signatures qu'on voulait annoncer.
Malgré tout, tu sais, on n'a pas tout annoncé les signatures qui sont faites. Là. On se garde quand même une couple de, choses à annoncer. Là. C'est pas parce que les gars sont pas annoncés qu'ils sont pas signés. Là. Tu sais, on va se dire, j'ai beaucoup plus de signatures de fait que ceux qu'on a annoncés aujourd'hui, mais on va aller étape par étape. Là, on est juste au mois de mai. deux nouveaux gardiens cette année qui se sont partagés le travail. Un nouveau gardien dans la Ligue. Un autre qui était acquis là, via transaction, mais Emilien Boilly. Quelqu'un qui est revenu, oui. Tristan à côté Cazenave, là, qui était une belle surprise aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux gardiens cette année? Oui, bien, tu sais, Emilien Boilly, moi, je le connaissais déjà du Seigneur 3A, puis il avait déjà disputé un match ou deux à Sorel auparavant. Après ça, avait appartenu à Rivière-du-Loup, avait connu une performance magistrale juste avant l'arrivée de la pandémie. Je n'étais pas encore dans la Ligue à ce moment-là, mais assez pour que Bob à Jonquière le trouve assez bon pour le drafter. Fait que, il était plus à Rivière-du-Loup. Ceci dit, on avait de l'intérêt envers lui. Puis, tu sais, quand on a eu l'opportunité de le faire, on trouvait que le coup était intéressant, puis on l'a fait. Emilien nous a amené une certaine stabilité au niveau du poste de gardien de but qui est super important en fait, dans cette ligue-là. Tristan côté Cazenave, en fait, ça faisait déjà deux fois qu'il se faisait repêcher au niveau de la ligue. Ça faisait deux fois qu'il se faisait libérer aussi. Puis, côté Cazenave, on l'avait invité à venir voir un match à Sorel pour qu'il voit le calibre, qu'il voit le sérieux de notre organisation, puis qu'il voit vers quoi qu'on s'en allait comme projet, tout ça, puis on voulait le rencontrer. Puis il est tombé en amour avec la Ligue, avec ce qu'on lui proposait aussi, puis sa vision a vraiment affûté avec nous. Puis ça a donné dans la même semaine qu'Éric Brassard a décidé qu'il mettait un trait sur sa carrière. Donc, disons que ça a bien à donner. Je pense que Boilly a vraiment eu une belle. Il était constant toute la saison. Dans le cas de côté Cazenave, ses victoires étaient exceptionnelles. Là. Je pense que les matchs qui est allé gagner, ça a tout été nommé la première étoile de la semaine, si je ne me trompe pas, là, ou dans les étoiles de la semaine. Donc, c'est un joueur qui a apporté beaucoup de. Un bon vent de fraîcheur au niveau de la chambre. Puis, il y avait déjà beaucoup d'amis dans la chambre. Puis ça l'a aidé à s'acclimater. Fait que, on avait un duo de gardiens nouveaux. Là, donc, ça aussi, là, on sait que c'est une position qui est importante, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes deux gardiens cette année. Là. Puis là, Tristan va sortir des pads bleus l'année prochaine, ou il garde les oranges. Ben, il joue à Perth, là, en Australie. Je ne sais pas s'ils vont lui payer des pads. en espérant, on va peut-être se sauver ça. Parce que oui, effectivement, il fitterait mieux que nos anciennes couleurs un peu, mais. L'important, c'est qu'il y ait le plus de marques noires possible dessus. Il y a eu deux signatures aujourd'hui également là, qui sont Félix Boivin et Olivier Garneau. Est-ce que tu pourrais nous parler de eux un peu pour les gens qui nous écoutent, là, qui connaissent peut-être ouais, pas ce ben, Félix Boivin, tu sais, il y en a qui vont regarder son Elite Prospect, là, il est 5 et 7, 5 et 8, puis 190 livres. Là. Il y en a qui vont dire à Cré, mais un petit défenseur, tu sais, une nord-américaine, tout ça. Et c'est un défenseur qui est chien, tu sais, qui a de la hargne, tu sais, qui aime ça, le jeu un petit peu plus physique. Tu sais, c'est un défenseur qui s'en laisse pas imposer malgré sa petite stature, mais c'est ce qu'on aime de son acquisition, c'est que c'est un gars qui. C'est un défenseur qui a un bon lancer, qui est capable de l'utiliser en avantage numérique, qui a de l'offensive, mais qui est capable de bien défendre aussi. C'est un vrai, là. C'est un gars qui a gagné aussi au niveau universitaire. Il joue dans un bon programme avec les Patriotes. Mm-hmm. Puis c'est une super bonne personne surtout. Puis, moi, c'est la priorité dans ce que je recherche pour un joueur. Ça doit être une bonne personne, puis doit fitter dans nos valeurs d'engagement et de respect qu'on inculque à l'organisation. Puis Félix, il coche toutes les cases. C'est le genre de joueur qui nous manquait. C'est un genre de poste qu'on devait combler. Puis, je pense que ça va être un défenseur, évidemment, qui va avoir besoin d'une période d'adaptation. Quand tu arrives dans la ligne nord-américaine, c'est ça te prend quelques matchs, ça te prend quelques semaines. Puis des fois, un mois, deux mois avant de t'adapter. Mais c'est le genre de défenseur qui va avoir du succès au niveau de la Ligue, ça, c'est sûr et certain. Puis, il y a eu des saisons, là, si on regarde justement un peu son prospect de 54 points, les 35 points. 54, c'est sa dernière année là, avec les Foreurs. C'est un,
un défenseur qui va pouvoir apporter de l'offensive, qui va peut-être jouer sur l'avantage numérique également. Oui, ben, c'est sûr que quand on signe un joueur, on, sur notre feuille, on dit bon, où est-ce qu'on va jouer, dans quel rôle, quel rôle qu'il va remplir. T'sais. Puis c'est sûr que quand on regarde ce type de joueur-là, puis on l'a vu jouer cette année. Moi, j'étais à Trois-Rivières, j'ai eu la chance de le voir jouer avec les Patriotes. Ça fait longtemps qu'il était repêché en 2021 par l'organisation aussi. Puis c'est sûr que c'est un défenseur qui, oui, il devrait avoir un rôle offensif chez nous, il devrait être en mesure d'aider l'avantage numérique avec son lancer d'ailleurs. Fait que c'est sûr que c'est un arme qui nous manquait peut-être cette saison. Comment est-ce que ça fonctionne, parce que souvent, les joueurs qui reviennent, c'est plus facile en guillemets, mais signer aussitôt dans l'entre-saison. Deux nouveaux joueurs, on n'a pas encore parlé de Vigano, mais comment est-ce que ça fonctionne? C'était quoi leur décision? C'était comme déjà fait à la fin de la saison que l'année prochaine, ils voulaient s'en aller dans la Ligue nord-américaine? Comment est-ce que ça a fonctionné pour que la décision de rejoindre le circuit, ça se fasse aussi? Ben, disons que c'était loin d'être fait. Ouais. Disons que c'était vraiment loin d'être fait. T'sais, Félix Boivin aurait pu s'ouvrir plusieurs portes en Europe. Là. Il y avait plusieurs portes ouvertes pour lui en Europe. Son frère a déjà beaucoup de succès en Ligue Magnus, il a gagné un championnat. Félix Boivin, c'est un défenseur qui est taillé quand même avec son côté offensif, tout ça, jouer sur des grandes glaces, il a un bon coup de patin. Il y avait des offres en Europe. On va dire les vraies affaires. Il aurait pu quitter de l'autre côté. Moi, j'étais en discussion avec lui depuis le jour 1 que je t'en passe au mois de novembre, quand j'avais relevé de Carl Boucher. Puis dans le cas d'Olivier Garneau, il a pris sa décision finale ce matin, tout juste avant la conférence de presse. On l'a contacté, on a dit bon, on fait quoi? On va-tu de l'avant, tout ça? Mais tu sais, c'était deux colocs quand ils jouaient aux Patriotes ensemble, deux gars de Québec, deux amis très proches. Donc on savait qu'en ayant le premier, on se disait possiblement que la chambre d'à côté va suivre. peut-être la question à fond. Vas-y. Ah, ben, c'est juste parce que ça doit faire plaisir parce qu'on essaie tout le temps d'attirer. C'est le commentaire de Sema, tu sais, qui me fait penser à ça dans le chat, mais on essaie toujours d'attirer les meilleurs joueurs possibles. Mais ça doit être le fun aussi que ce soit deux joueurs de la région de Québec qui est plus proche de Rivière-du-Loup que quand c'est des joueurs plus de la région de Montréal. Donc, ça doit être quand même quelque chose de satisfaisant aussi à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, c'est deux choix de l'organisation. Tu sais, c'est le fun de faire une transaction, puis aller chercher un joueur que tu veux. Mais tu sais, des gars que tu as l'opportunité de repêcher, puis que tu as par la suite l'opportunité de leur vendre ton projet, de garder le contact avec eux, de suivre leur carrière, de leur parler régulièrement, bien ça, c'est encore plus intéressant. Puis c'est ce qui s'est passé un peu dans le cas de Boivin. Même chose dans le cas de Garneau, tu sais, on l'a repêché l'année dernière, là, en deuxième ronde. Puis, tu sais, Garneau, on le savait qu'il y avait des opportunités cette année en Europe, mais notre plan en le repêchant l'an passé en deuxième ronde, c'était pour s'assurer, justement, étant donné que c'est un gars offensif, c'est un gars qui a joué à Rimouski, c'est un gars de Québec, c'est un gars qui a joué universitaire dans un bon programme. C'était en le repêchant en deuxième ronde, le but c'était de le rentrer cette année. Mais tu sais, il y a tout le temps un risque de l'Europe, il y a tout le temps un risque de la CHL puis tout ça, mais tu sais, au moins là, on a réussi à l'embarquer avec nous pour 2 ans. Puis c'est sûr que c'est le fun. Surtout quand les joueurs viennent du coin de Québec, là, au niveau logistique, au niveau des frais, tout ça, ça nous aide là, pour une équipe comme nous là, qui est en région et on va dire éloignée. Oui, c'est ça. Je voyais justement Martin Gagnon qui écrivait que Rivière-du-Loup et Jonquière restent dans des régions éloignées, peut-être que ça peut rendre difficile l'approche de joueurs, mais tu sais, Québec est quand même à une heure et demie, c'est pas très loin. En fait, le problème avec le gros bassin de joueurs, c'est Montréal. Tu sais, t'as Montcalm, t'as Laval, t'as Sorel qui peuvent piger dans un gros bassin. Le deuxième plus petit bassin, c'est Québec, puis on est 4 clubs à piger dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est pas nous qui a le gros bout du bâton dans tout ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, les choix au repêchage, c'est ultra important pour nous à Rivière-du-Loup, parce que ça nous permet d'avoir un certain pouvoir de négociation avec les joueurs, puis de mettre la main sur des valeurs que, ben, si le joueur au moins ne veut pas venir à Rivière-du-Loup, ben,
on a une valeur avec ce joueur-là. Mais c'est sûr que les gars de Québec, pour nous, ça donne valeur. Là. Pour les gens qui se le demandent peut-être, là, on a entendu que la période, à un moment, de signature était terminée et de transaction possible. Et là, on apprend des signatures aujourd'hui. C'est ouvert depuis quand, là, la période des signatures? Ben, en fait, on le sait, là, à Rivière-du-Loup, ça fait partie un petit peu de notre processus. Tu n'as pas le droit de signer d'agent libre. Tu n'as pas le droit de faire de transactions, des choses comme ça. Mm-hmm. Nous, on a fait pas une permission à la Ligue, mais on a écrit à la Ligue. On tient une conférence de presse, puis je crois qu'on doit, on solidifie notre organisation, on doit solliciter des partenaires, que ce soit financier, mousser la vente de billets de saison, nos événements de l'été, tout ça. On n'a pas la même chance que certaines organisations, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est des joueurs qui sont déjà sur notre liste. Donc, le fait que ces gars-là soient sur notre liste, c'est sans que ce n'est pas une surprise. Là. Les joueurs nous appartiennent. On n'a pas le droit de signer d'agent libre, on n'a pas le droit de faire d'échange. Là, présentement, c'est fermé. Mais ces joueurs-là étant déjà sur notre liste, c'est le genre d'annonce qu'on pouvait procéder aujourd'hui. Donc, c'est des annonces qui peuvent aider, peut-être, justement, tu parles à mousser le club, mais peut-être. Aussi au niveau des commanditaires, de montrer qu'on est déjà prêt pour la prochaine saison avec les gros joueurs qui reviennent. C'est pas au mois de septembre, trois semaines avant que la saison commence qu'on non. On commence. Il y en a des signatures qui vont s'annoncer au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre même, mais. Je pense que c'est un message qu'on passe. T'sais, le but, c'était même pas de passer un message à la Ligue, là, loin de là, là. C'est de vraiment. Nous, on s'occupe de nos affaires à nous. Puis nous, à Rivière-du-Loup, on a des contraintes que certaines organisations n'ont pas. Puis c'est important, nous, de faire parler des 3L à l'année, puis de montrer le sérieux puis le travail qu'il y a derrière notre organisation. Puis c'est une manière justement de récompenser nos partisans aussi en leur donnant un petit peu d'informations supplémentaires sur qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine saison, puis leur donner le goût de continuer à croire en nous. Là. J'ai deux petites questions que je veux pas c'était mieux pas trop en parler parce que c'est des dossiers un petit peu plus touchés, bien à toi, mais je vais savoir si il y a deux joueurs sur votre liste quand on parle de l'ancien noyau, deux joueurs qui me viennent en tête, mettons un Maxime Villemaire puis un Francis Meilleur. Est-ce que c'est encore des joueurs qui, selon toi, pourraient, disons, avoir une valeur puis mener à quelque chose pour permettre aux 3L d'aller chercher pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais des assets pour ça, ou est-ce que c'est plutôt clos de ce côté-là? Je dirais pas que c'est clos. Tu sais, si c'était clos, il serait plus sur notre liste. Il aurait signé le papier de retraite ou il aurait été changé contre des choix, considérations futures, là, là. Ouais. Nouvelle mode. ils sont encore là. Donc, tu sais, tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas mis la clé dans la porte de leur équipement de hockey, là, ils vont toujours être en contact avec eux. Tu sais, il y a des joueurs, j'étais en contact avec eux, on a essayé d'y ramener dans l'organisation l'année dernière. Ils n'ont pas mis une croix à 100% sur le hockey, que ce soit à Rivière-du-Loup ou dans la ligue nord-américaine, à suivre dans ces deux dossiers-là. Mais tu sais, s'ils sont encore sur notre liste, c'est sûr qu'il y a une raison. Et puis l'autre que je vais parler, il y a toujours, dans chaque équipe, quand on regarde les listes, il y a toujours des gros poissons là, qu'on se dit hey, ça serait donc le fun si un jour on les voyait dans notre uniforme, puis tu sais, chaque équipe en a. C'est un joueur que on a un petit peu parlé cette année là, quand on a su qu'il revenait à la maison, mais Jordan Caron, est-ce que ce dossier-là, j'imagine c'est un peu comme Villemaire et Francis Meilleur, si tant qu'il est sur la liste, c'est parce qu'il y a un espoir, mais est-ce que c'est un joueur qui vous avait parlé? Mais lui et Chris Clapperton, je pense, dans l'article de Kevin Bowley, je crois que. En fait, dans le cas de ces deux joueurs-là, on est en contact avec eux, c'est évident. Je pense que l'organisation a fait les choses de la bonne manière dans le cas de. Dans ces deux cas-là, se déplacer, rencontrer, manger, discuter, tout ça.
Tant aussi longtemps qu'ils vont être sur notre liste, ça va mentionner qu'il y a un espoir d'y voir. Le jour où on va se rendre compte ou qu'on va avoir la confirmation qu'ils viendront pas, qu'ils joueront pas, ben, on va les libérer tout simplement. Ils iront pas jouer ailleurs. D'une certaine manière, c'est deux gars du Bas-Saint-Laurent. Fait que s'ils sont encore sur notre liste, ben, c'est parce qu'il y a encore une fenêtre qui est ouverte des deux côtés là, pour peut-être jouer. Mais pour l'instant, c'est pas de développement mineur ou majeur. Il n'y a pas de développement tout court, en fait. Là, autre qu'on continue à prendre de nos nouvelles, on va dire ça comme ça. Il y a une autre signature qui a été faite aujourd'hui. C'est l'entraîneur-chef, Éric Haylé. Donc, en commentaire, là, a dit qu'il était très heureux de revenir à Rivière-du-Loup, qu'il aime beaucoup la ville également, qui était heureux d'être de retour pour une troisième saison. Qu'est-ce que un Éric Haylé amène là, dans une chambre de hockey? Ben, c'est passionné c'est au plus haut niveau. Là. Tu sais, Éric, il respire, il mange, il pense hockey. Là. Tu sais, c'est un gars qui connaît bien la ligue. Tu sais, c'est un gars qui sait s'adapter également on va dire, au nouveau hockey. Tu sais, c'est pas la même ligue qu'il a connue quand il a débuté dans la ligue. Puis, en plus, on a une équipe jeune, là, tu sais, on est loin du hockey qu'il a connu il y a 15 ans, là. Donc, il sait s'adapter, puis c'est un gars qui est passionné, puis c'est un gars qui surtout la préparation. Tu sais, notre équipe est toujours préparée à jouer contre son adversaire, contre une équipe qui est structurée. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait un peu notre force, là. Puis tu sais, Éric et moi, là, je vais mettre là-dedans. Là, tu sais, Rivière-du-Loup, c'est notre deuxième chez nous. Puis tu sais, je pense que ce soit les joueurs ou les membres de l'organisation, là, quand tu vas à Rivière-du-Loup, ben, tu sais, faut que tu sois fier de faire la route. Quand tu l'as fait la route, là, quand tu viens de l'extérieur, ben, faut que tu viennes avec les bonnes raisons. Puis dans le cas d'Éric, dans mon cas aussi, puis dans le cas de tous les nouveaux joueurs qu'on rentre, ben, ils le font pour les bonnes raisons. Puis c'est pour ça, je pense qu'on est en train de bâtir de quoi d'intéressant. Mm-hmm. Je sais pas, Dave, si tu avais d'autres questions. Sinon, on aurait parlé peut-être un petit peu des séries. Ouais, j'ai deux petites questions. Peut-être un peu plus rapide un peu. Il y a un autre joueur que je voulais parler parce que j'ai vu quelques fans le mentionner. Je pense que c'est un joueur qui pour le peu de temps jusqu'à présent qui a passé dans votre organisation, est très apprécié. Puis moi, personnellement, je pense qu'il ferait un excellent duo avec Olivier Mathieu quand on parle d'intensité puis de hangle. Je parle de Nathan Ouellet. Je veux savoir, là, lui, il y a eu une grosse opération cette saison, manqué la grande majorité de la saison. Je voulais savoir s'il y avait des plans de le revoir à Rivière-du-Loup l'année prochaine, parce que je sais que c'est un joueur qui est beaucoup apprécié des fans, puis que malheureusement, on n'a pas encore eu la chance. Le complet. Tu n'as pas eu le complet encore. Écoute, Nathan, c'est très malheureux. Là. C'est une vieille blessure qui traînait du niveau junior, puis pour sa future carrière professionnelle, il devait subir une opération. En fait, la première moitié de l'opération s'est faite durant la saison. La deuxième moitié de l'opération s'est faite la deux semaines, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, devrait être en mesure de débuter la saison ou bien prêt. Là. Okay. Vas-tu manquer une, deux, trois fins de semaine? Là, c'est difficile à dire, là, mais en fait, devrait être de retour là, pour la prochaine saison des 3L. Puis, c'est un gars local en plus. T'sais. C'est un gars local, puis... C'est un gars qui est dur à jouer contre. T'sais, c'est un ancien capitaine junior majeur, puis c'est pas pour rien. Là. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être, qui ne savent pas c'est qui Nathan, on parle de Nathan qui? Nathan Ouellet. Super. Donc, Nathan Ouellet. Pour les gens qui a disputé en deux ans à peu près une vingtaine de matchs. Là, on devrait l'avoir à un moment donné à temps plein. Là. Super. Puis, ma dernière question, c'était peut-être un peu pour expliquer aux fans, parce que moi, je trouve ça toujours vraiment intéressant, le draft de la Ligue nord-américaine, parce que c'est un draft qui n'est pas comme les autres. Quand on compare, mettons, à la Ligue nationale, tu sais, on le sait tous que Connor Bedard va s'en aller à Chicago, qui ont eu le premier choix. Les 2, 3, 4, 5, on sait pas mal tous, ça va être qui, tu sais, les Smith, les Adam Fentilly, Michkov. C'est whatever. Mais dans la ligne américaine. Ils sont en train de demander c'est qui le choix que de faire. Non, non, c'est pas ça, mais je veux savoir, c'est quoi le processus? Ben, moi, ça serait Bédard. Moi, je prendrais Bédard. Mais
que je veux savoir, c'est dans la ligne américaine, tu sais, on sait, c'est jamais comme certain, c'est qui va être repêché premier. Tu sais, des fois, il y a des surprises. Il y a tout le temps, comme les équipes savent un peu, tu sais, c'est qui les joueurs qui reviennent, tu sais, puis qui est pas sur la liste, mais je laisse savoir comment ça fonctionne. Tu sais, c'est quoi le processus d'un DG pour se préparer pour un draft de la ligne américaine, vu que c'est pas pantoute le même type d'enjeu que la ligne nationale, puisque justement, là, c'est, mettons que le travail de recherche est plus difficile à faire que. Quand on fait la première ronde dans la Ligue nationale, tu sais, des listes de scouting à plus finir, t'en as des centaines, là, fait que c'est facile. Fait que, tu sais, comment est-ce que vous préparez pour un draft, puis c'est quoi le processus de recrutement, si on veut? Ben, c'est sûr que la première manière d'avoir le plus d'informations, c'est de se prendre le plus tôt possible. Parce que plus que tu approches du draft, plus que tu as de menteurs. Ça, c'est sûr que des joueurs qui veulent choisir leur destination, tu sais, ça se fait... Ça se fait dans n'importe quelle ligue, à part la Ligue nationale, à peu près, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est à peu près la seule manière que tu peux le mieux préparer, c'est de commencer le plus tôt possible. Puis, c'est un travail à l'année, tu sais, de cibler c'est qui les gars qui pourraient être intéressants pour ton prochain draft. Puis, tu sais, t'auras jamais 100% leur juste. Puis, tu demandes aux 7 équipes, c'est pas les 7 équipes qui ont le même premier choix. C'est pas les 7 équipes qui ont la même liste de draft. Habituellement, ceux qui travaillent le plus sont récompensés dans ce genre de repêchage-là. Puis ceux qui sont en mesure d'utiliser leurs contacts. T'sais, quand utiliser ces contacts, ça veut aussi dire utiliser tes joueurs que tu as déjà sur ta liste. Mm-hmm. En fait, tes joueurs actifs aussi pour avoir le plus d'informations puis avoir des anciens coéquipiers à essayer de les attirer ensemble. Puis c'est souvent la manière qu'on travaille, mais. Il y a 7 équipes, 7 DG, ça va être 7 manières de fonctionner différentes. Parce que, puis au bout du compte, les 7, on va avoir des informations différentes. Une question dans le chat de Mathieu Landry qui demande à propos d'Antoine Masson si on pouvait peut-être l'avoir de façon régulière dans l'alignement. Il trouve que c'est un très bon joueur. Bon, Antoine, c'est un ami personnel. Antoine, là, c'est... T'as-tu un message à lui faire passer, là, ce soir, c'est le test? En fait, là, il n'est pas rejoignable. S'il écoute ça en ce moment, c'est un miracle. Il n'est pas rejoignable, Antoine. En fait, Antoine, là, je pense qu'il n'aime même pas le hockey de tant que ça. Ah, mais quand il arrive et qu'il traverse les portes de l'aréna, il ferait tout pour gagner. Mais parle-y pas d'orchestre en ci de l'année, il est sûrement en train de prendre une bière ou de jouer au golf. Puis le bateau, possiblement au mois de juin. Donc, ça, c'est la réalité d'Antoine Masson. J'adore Antoine, en fait, ça fait longtemps que je travaille avec. J'adorerais l'avoir avec nous, honnêtement, à temps plein. C'est pas un gros joueur, mais c'est un joueur qui est tellement intelligent et qui est tellement à mesure de se mettre dans des positions. Pour avoir du succès, puis il a tout à eu du succès à toutes les fois qu'il est monté avec nous. Donc, SOS Antoine, là, si t'écoutes ça, ben, on te veut à Rivière-du-Loup. Blague à part, on va travailler le dossier comme qu'on a travaillé depuis le début, mais honnêtement, Antoine, je pense, a une place dans la Ligue nord-américaine, s'il le désire. Maintenant, c'est sa décision à lui, puis on la respecte. T'sais, c'est un gars qui a un très bon emploi, qui ne permet pas nécessairement peut-être de s'investir à temps plein dans la Ligue nord-américaine, surtout à Rivière-du-Loup, qui est quand même une bonne distance. C'est un gars chez Shawinigan. Mais c'est pas parce que l'organisation ne veut pas l'avoir. Ça, c'est important de le mentionner. Mais Antoine, je l'aime beaucoup, puis je le prendrai dans mon équipe. Ça, c'est sûr et certain. Pour le convaincre, ça pourrait être quoi? Un membership dans un club de golf? Un sac neuf? Écoute, je pense que c'est même pas un point. Il a une bonne job, Antoine. Le hockey pour lui, il fait plus par passion quand il rentre dans l'aréna. Souvent, on a voyagé ensemble justement après aller au match. Puis, tu sais, Antoine, il n'a pas l'air d'un gars qui a le goût d'aller jouer au hockey jusqu'à temps qu'il rentre dans l'aréna. Mm-hmm. C'est tout le temps le running gag avec. C'est que, écoute-toi pas, on va aller te chercher s'il faut, mais quand tu vas rentrer dans l'aréna, on sait que tu vas aimer ça. Ben, le truc, c'est peut-être que ce que dans le temps, les Chiefs de Laval avaient fait, il y avait des joueurs qui habitaient dans l'aréna, peut-être tout le temps, c'est Antoine Masson.
Ouais, écoute, Rivière-du-Loup, c'est sûr que c'est plus beau que le Colisée de Laval, là. Écoute, on va y penser. C'est juste ça que ça prend. Je t'apportais des solutions, là. Pour finir, on va parler un peu des séries. Il y a la grande finale qui est en train de jouer, mais avant de se rendre là, pour reprendre un des commentaires qui est dans le chat là, de Denis Arsenault, là, votre statisticien. Très assidu, effectivement. Donc, je vais savoir si tu avais un peu un mot sur la performance de l'équipe, parce que, tu sais, malgré... Je voulais dire, faire de parenthèse aussi quand même que le 3L est rentré dans les séries avec 3 victoires d'affilée à la fin de la saison contre les Éperviers, le Cool FM, les Bâtisseurs, et avait perdu en prolongation contre Laval la game d'avant. Donc, on rentrait quand même dans les séries là, avec une bonne séquence. Puis on a eu, tu sais, les séries, c'est plate, ça a fini en 4 matchs, mais tu sais, ça a tout été des matchs serrés. Il y en a un, c'est sûr que le match numéro 3 qui a dû faire mal avec la remontée, mais... J'ai jamais vécu ça de ma vie, à bon sens. Ouais, chapeau Marquis pour ce match-là, en passant. Tu sais, de vivre ce genre de match-là à domicile, ça doit être quelque chose, honnêtement. T'sais, je l'avais déjà vécu dans le Seigneur 3, ce genre de remontée-là, spectaculaire à domicile, t'sais, que tu dis, coudon, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Là? Les gens de Jonquière, je pense que il n'y a personne qui a demandé de remboursement ce soir-là. Mais effectivement, c'est. Votre dernier match à saison régulière à la maison contre Sorel, ça avait été une fin. Oui, mais honnêtement, à partir du match en rose, là. T'sais, on a vraiment senti un engouement là, à Rivière-du-Loup. T'sais, les foules ont été bonnes. Le monde nous supportait. Puis, j'en ai des frissons à t'en parler, là, mais on perdait 0-3 dans la série un mercredi soir à 7h. Puis il y avait 1300 personnes qui criaient Go 3L Go. Comme, calique, t'as pas le goût que ça se finisse là. T'sais, c'est là que tu vois que les gens ont comme acheté un peu le processus, mais qu'ils sont prêts justement à ce que l'équipe ait du succès parce qu'ils ont démontré de la patience, ils ont démontré de la résilience, ces partisans-là. Puis, je pense que là, on aimerait ça leur montrer que le plan continue à progresser et qu'on peut passer au prochain niveau. Mais pour ça, à partir du match en rose, on a vu vraiment quelque chose de nouveau là, à Rivière-du-Loup qu'on n'avait pas nécessairement vu dans les deux dernières saisons. Mm-hmm. Si on continue pour justement les séries, la série contre les Marquis, tu disais ça a été serré quand même. Là, on a parlé de la remontée. Tu as parlé peut-être aussi en début de show que peut-être ça avait paru que vous aviez une nouvelle équipe, des nouveaux. Plus jeunes. Le plus gros point, je pense, dans la série contre Jonquière, c'est que tu regardes l'ensemble de la série. C'est pas une série qui joue en 4. Mon premier match, perd une avance de 2-0, on est en plein contrôle du match. Troisième match, perd une avance de 4-0, on était en plein contrôle du match. Là. Jonquière avait plus d'expérience que nous. Puis, quand tu parles d'impondérable, puis, on regardait nos alignements. Puis, Jonquière, sur papier, ils n'ont pas une vilaine alignement. Là. Ils sont très bons. C'est une équipe qui est grosse, qui avait beaucoup de robustesse. Mais, on était capable de répondre à pratiquement tout ce qu'ils nous ont offert. Au niveau robustesse, on s'est présenté. Dans les moments, notre désavantage numérique a fait le travail dans des moments importants. Notre avantage numérique a manqué. Ça s'est probablement joué là, puis entre les deux oreilles. Dans des moments importants qu'on était en contrôle, puis que on pouvait aller closer des matchs, ben on l'a pas fait. Puis je pense que la série, c'est là qu'elle s'est jouée. Ben, c'est sûr, quand on parle avantage numérique, c'est pas mal. Le nerf de la guerre. Selon moi, c'est là que ça s'est joué parce que vous allez chercher 2-3 buts, ne serait-ce en avantage numérique, vous remportez au moins. Tu sais, les matchs étaient tellement serrés, vous remportez au moins un ou deux matchs, puis là, on parle d'un match 5-6 et plus, puis tout peut arriver rendu là.
Oui, parce que dans tous les matchs, on l'a repassé là, au complet, cette série-là. Là, puis on l'a analysé, qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu dis à Colic à 2-0, tu scores un troisième but. Et là, en avantage numérique, tu as un moment, mais là, tu te fais scorer tout de suite après. Puis à 4-0, de l'autre bord, je sais qu'il y avait un power play. Il s'était rendu qu'il enlevait leur goaler, mais on a eu un power play. Et ça aurait pu être 5-0. Puis on aurait pu bloquer une shot de plus. Puis tu commences à penser à la game, tu te dis voyons donc, ça s'est joué sur des détails, mais ça, c'est le genre de détails qu'il y avait plus d'expérience que nous, puis ça l'a paru, puis tu sais, je leur lève mon chapeau, honnêtement, tu sais, on joue de bonnes séries, puis quand que c'était serré, puis je pense que les partisans qui étaient dans les estrades pour les quatre matchs, ben, ils sont tombés en amour avec le produit Ligue nord-américaine. Si on parle des autres séries là, qui ont eu lieu cette année, je pense que tu as été quand même un spectateur attentif jusqu'en ce moment. Là, c'est 3-1 pour le Cool FM. Mais qu'est-ce que, peut-être dans un général, là, qu'est-ce que tu as pensé des séries éliminatoires? Les foules étaient au rendez-vous également? Oui, bien, ça, c'est mon plus gros point, je pense. Tu sais, c'est le fun de voir les assistances, puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, on veut avoir du succès chez nous, on veut avoir des assistances, tout ça, mais c'est le fun de voir qu'en général, la Ligue se porte bien à ce niveau-là. Tu sais, c'est le fun de voir les assistances, c'est le fun de voir le calibre de jeu, c'est le fun de voir le sérieux de la Ligue, c'est le fun de voir vers quoi on s'en va comme Ligue. Puis, tu sais, quand je regarde les séries éliminatoires, tu sais, c'est chaudement disputé. Tu sais, je suis la série Thetford-Saint-Georges. C'est exceptionnel, la série pour la Ligue, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut peut-être donner le goût, justement, à des villes d'expansion, de lever la main, de dire, hey, j'ai le goût de participer à ça, moi, cette Ligue-là. J'ai le goût de joindre cette Ligue-là. Puis, tu sais, c'est une belle chose. C'est une belle vitrine pour la Ligue, qu'est-ce qui arrive. Puis, je pense que depuis la pandémie, la Ligue a pris un pas vers en avant au niveau du professionnalisme, au niveau de la visibilité, puis tout ça. Puis les séries éliminatoires, présentement, je suis sûr que c'est un gros pas par en avant pour la crédibilité là, d'une certaine manière. Puis de écrire, mais il y a du bon hockey qui joue dans cette Ligue-là, puis présentement, il n'y a pas personne qui parle de combat, puis de cible, de ça. Mm-hmm. Les gens, ils parlent du calibre de hockey, puis de comment les partisans sont enthousiastes envers leur équipe. Puis ça, c'est grâce aux partisans, en fait, qu'il y a une ligue, là. Mm-hmm. On ne te demandera pas qui que tu prends entre le Cool FM et l'Assurantia, mais qu'est-ce qui t'a impressionné dans cette série-là, de part et d'autre, que ce soit des joueurs ou... Ben, Sébastien Auger, là. Sébastien Auger, il est exceptionnel devant son filet. T'sais, il l'a prouvé à tous les niveaux, en fait, que c'est un excellent gardien de but. T'sais, je pense que depuis qu'il est dans la Ligue, au niveau de la saison régulière, t'sais, il y a quand même eu des hauts et des bas. Mais là, il est en train de montrer, je pense qu'au reste de la Ligue, que c'est un gardien élite. Puis moi, honnêtement, je suis impressionné par son jeu. T'sais, je sens à travers mon écran de la magie du côté de Saint-Georges, là. On dirait que ça fait toute leur victoire et ils se passent tout le temps quelque chose. Ils ont un genou à terre, mais ouais. ils se relèvent tout le temps. Puis c'est genre d'équipe Cendrillon, là, d'un sens, que Zicalic, c'est le fun de voir que ça leur arrive. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une finale à Saint-Georges ou un championnat ou tout ça. Puis de voir ça, c'est juste le match, les deux matchs en fin de semaine, là, c'était un petit peu exceptionnel qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est bon, comme je dois le répéter, mais c'est bon pour la Ligue. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on a eu Jean-François Laplante là environ un mois là, au début des séries. Puis il dit tout le temps qu'à chaque année, on dirait qu'il y a une équipe que plus les séries avancent, plus on dirait que pour une raison ou une autre, c'est comme leur année. Puis plus ça avance, plus qu'on dirait que ça a l'air de... C'est pas fini encore, mais mettons que Saint-Georges, ça donne ce feeling-là présentement. Ouais, puis tu sais, je pense qu'ils ont bâti leur organisation de la bonne manière. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de voir ça, de voir des nouveaux visages, de voir des gars se sortir du lot, tu sais, T'sais, c'est sûr que c'est pas mon organisation, là, mais dans le sens que c'est le fun de suivre ça quand même, comme on dit, comme
comme gars d'hockey, de partisan d'hockey, de voir là, un peu là, cette série-là aller, là, c'est intéressant. Il faut s'attendre à voir à l'aréna à Saint-Georges ou bien à Tedford, Fabien Dubé, mercredi ou si ça se continue plus tard. C'est sold out. Je vais être obligé de l'écouter. Tu sais, LNH TV, c'est tellement ça coche que je pense que juste le confort de mon salon, je peux sentir l'atmosphère. Mais bref, tu sais, où je suis les games sur ma tablette. Malheureusement, le travail fait que je peux pas me déplacer. Tant que ça pour les matchs, là, mais c'est sûr que j'y suis les matchs puis j'y regarde parce que c'est premièrement le calibre d'hockey est bon, puis quand ça part à l'entraque, ben, j'ai déjà hâte que la période recommence. Je suis ça comme un fan d'une certaine manière, puis c'est le fun de voir aussi les joueurs évoluer dans ce genre de contexte-là. Là. Jean-Michel Poulain, là, du coup, l'FM, qui est le descripteur, qui dit on va te trouver un billet. Ben, c'est gentil, c'est du monde accueillant, mais c'est du monde accueillant. J'ai essayé de mettre un partisan de votre bord, là. Donc, Jean-Michel, tu peux écrire à Fabien si jamais. Ah, je le connais. On se connaît un peu. Fait que ça va être bon. La glace est déjà brisée. All right. Dave, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Ça fait le tour. Je voulais avoir son opinion un peu sur la finale. Je pense que c'est le fun d'avoir à quel point, comme tu as apporté, là, que les foules sont au rendez-vous et que le calibre est vraiment écœurant. Donc, non, j'espère que, tu sais, depuis le début des séries, puis je pense que je devrais arrêter de dire ça parce que je dois porter ma chance. Depuis le début des séries, la seule chose que je dis, c'est que je veux qu'on ait des séries qui se rendent en 6 puis en 7. Puis ça marche jamais. Je devrais me la faire. Dis plus ça. Ben, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, Olivier Garneau et Félix Boivin qui ont signé chez nous sont allés voir un match de série à Saint-Georges. Puis, tu sais, le commentaire qui est ressorti, c'est je me vois jouer dans cette ligue-là. Fait que tu sais, c'est quand je dis que c'est bon pour la ligue, c'est qu'après ça, dans ton rôle de directeur général, c'est encore plus facile de vendre la ligue parce que la ligue elle a de la crédibilité, le calibre est excellent, la ligue fait parler d'elle pour les bonnes choses. Donc, justement, le clip que vous avez sorti hier là, sur le premier match, c'est des plus-values que la ligue fait depuis quelques temps. Qui montre une certaine crédibilité de plus. Puis quand tu parles à un joueur, ben la Ligue nord-américaine n'est pas perçue de la même manière qu'elle était perçue il y a 3-4 ans. C'est rendu vraiment une véritable option pour eux autres, pour les joueurs là, quand ils veulent mettre fin à leur carrière professionnelle, en fait. Ou bien la commencer d'une certaine manière avec des joueurs qui jouent universitaires. Exact. Il y avait une petite question dans le chat là, de Mathieu Landry qui demandait, qui parlait de l'absence de Danick Crête en série. J'imagine que tu ne vas pas nous donner un scoop, là, mais elle se demande si on faut s'attendre à voir plus régulièrement dans la prochaine saison. Ben écoute, je suis bon pour surfer là-dessus, là, mais tu sais, Danick Crête, en fait, devait jouer des séries éliminatoires. Malheureusement, ses engagements vers une autre équipe, une ligue, on va dire qu'il y a des formats de séries éliminatoires bizarres, on va dire ça comme ça, a fait que finalement, n'a pas été en mesure de participer à nos séries éliminatoires. Puis, tu sais, il était bien déçu de ça. Tu sais, Danick, son plan cette année, c'était de jouer ses 5 matchs pour jouer les séries éliminatoires. Danick Crête est toujours sur notre liste. Danick Crête, on s'est parlé la semaine dernière. Va revêtir l'uniforme des 3L cette année. On n'a pas une entente encore finalisée. On n'a pas annoncé de signature, mais son plan serait de revêtir encore une fois l'uniforme des 3L, mais possiblement de bonifier son implication, en fait. Non, on a eu un scoop, finalement. Ouais, vous serez pas déplacé pour rien. C'est... En tout cas, dans son échantillon limité de 5 matchs a quand même 2 buts, 5 passes pour un défenseur. Ouais, ben, il y a de l'offensive qui sort par les oreilles. Honnêtement, là. Avec Crête en avant, à défense. Ouais. Ouais, on l'a utilisé sur notre premier trio, un match à Tedford. C'est un gars. C'est un gars qui a de l'offensive, là. Tu sais, c'est un. Je te dirais, c'est possiblement ce qui se rapproche le plus de Nathan Larose dans la ligue, là.
T'sais, dans le style d'offensive, là, c'est pas des défenseurs, c'est des offenseurs. Là. C'est un peu ce que je peux dire sur lui. Là. Transporter un puck quand même très habile. Moi, je l'ai connu, c'était en 2012-2013. Jouais en 2013-2014, jouais avec les Grenadiers de Châteauguay, avait gagné les séries et avait été perdu en finale du championnat canadien cette année-là. Tu sais, il a un beau parcours, honnêtement, comme joueur. Puis, tu sais, présentement, il a voulu établir sa vie dans le coin de Moncton. Puis, tu sais, il vit sur une réserve là-bas qui a une équipe de hockey. Puis, tu sais, joue dans sa ligue là-bas. Puis, tu sais, je respecte ça à 100%, dans le sens que je suis déjà content qu'il ait de l'intérêt à faire son 5 heures et quelques de route pour venir jouer à Rivière-du-Loup et son 9 heures de route pour aller jouer à Laval. Là. Mais, tu sais, j'ai pas le choix de démontrer du respect pour ça. Mais, tu sais, Danny Craig qui reste à Rivière-du-Loup, on le prendrait anytime. Là. Donc, on a parlé un petit peu là, des foules, des séries, l'engouement, tout ça. Fabien, en terminant, là, un petit message là, que tu pourrais dire. On ne peut pas vraiment dire achetez vos billets, allez à la partie là, parce que c'est sold out. C'est ça. Ben, achetez le match sur tv.lnh, honnêtement. Là, le match est à Thetford. Thetford demain, oui. Donc, tu sais, blague à part, là, c'est important de supporter ces deux équipes-là parce qu'en même temps, ça supporte la Ligue. Puis, tu sais, c'est le fun de voir tout ça. C'est le fun de voir ce que la Ligue s'en va. Puis, je voulais remercier justement là, les partisans qui, que ce soit de Rivière-du-Loup ou de la Ligue nord-américaine, en fait, qui permettent à plusieurs jeunes et moins jeunes joueurs de hockey, en fait, de continuer à jouer dans une Ligue de haut niveau. Puis, on est chanceux d'avoir ça au Québec. Puis, également, un gros merci à vous autres, les boys, là, du temps que vous mettez là-dedans. Puis, ça l'amène une coche de plus à la Ligue. Puis, c'est intéressant, en fait. Puis, c'est toujours un plaisir d'avoir de la difficulté à me connecter et venir aujourd'hui. Au final, là, c'est ça. Bon, ben, merci à Fabien d'avoir de la misère à te connecter avec nous. En te souhaitant un bel été, un bon reste de finale LNEH. Donc, on se revoit l'année prochaine en espérant une bonne saison des 3L. Oui, ben ça va être on a déjà un mois de fait, on va dire ça comme ça. On a déjà encerclé la date, puis on a déjà hâte que ça recommence, puis on est au travail. Puis entre-temps, ben on va s'occuper de l'équipe de deck hockey avec Maxime C, puis on va s'assurer qu'il reste en bonne forme physique pour son retour à Rivière-du-Loup. Donc, tu es dans le deck hockey aussi, c'est avec le glissière. Oui, glissière des biens de Trois-Rivières dans la Ligue nationale d'hockey-ball. Puis, c'est pour ça que moi et Max, on a une certaine relation, on va dire, un petit peu différente. Là. On travaille ensemble à l'année. Fait que, c'est sûr que c'est un plus pour Rivière-du-Loup, mais c'est un plus aussi de l'avoir à Trois-Rivières puis de travailler ensemble à l'année. Et je vais espérer aussi quelque chose pour la prochaine saison. Vous avez sur TikTok Éric Haillé, Maxime Saint-Saint, peut-être Fabien Dubé. Non, j'ai pas ça. En fait, j'aurais possiblement l'air aussi à l'aise que Maxime Saint-Cyr dans un TikTok. Puis je laisse tout ça à Éric. Écoute, Éric, il se débrouille très, très bien. Puis j'embarquerai pas là-dedans. Parfait. Merci Fabien de ton passage. Merci à tous. Puis bonne fin de show. Puis bonne fin de finale de la Coupe Verdure à tous. All right. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Donc, Fabien Dubé, directeur général et entraîneur adjoint des 3L de Rivière-du-Loup. C'est très le fun d'entendre ça. C'est très encourageant pour une équipe qui, disons, au retour du COVID, là, on avait eu besoin de trouver des nouveaux partenaires. On avait même lancé un peu un ultimatum que si on ne trouvait pas les nouveaux partenaires, l'équipe allait peut-être quitter Rivière-du-Loup. C'est le fun de voir qu'un petit fast-forward dans l'avenir et que ça va bien. Il y a un nouveau noyau qui est en train de se greffer.
L'équipe a connu une belle fin de saison malgré le parcours en série qui était un petit peu plus court, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux bons joueurs. On en a déjà annoncé deux nouveaux pour l'année prochaine. C'est le fun de voir que ce marché-là va bien. Puis la façon dont l'équipe est en train d'être bâtie principalement par Fabien, là, je sais pas, on avait annoncé là, dans le bilan qu'il y avait une augmentation des foules de 7% par rapport à l'année précédente, mais je serais pas gêné de gager que ça va continuer à augmenter l'année prochaine là, parce qu'on est en train de faire de quoi de beau à Rivière-du-Loup. Il y a André Lessard qui demandait si on était capable de savoir combien de personnes écoutaient les parties en ligne sur TV LNH. Ah, est-ce qu'on a ces chiffres-là? On n'entendra pas non plus 10 minutes le temps que tu ouvres ton fichier. Là, mais... Non. Honnêtement, ça doit osciller autour du... C'est une estimation, là, mais ça doit osciller autour du 250 pendant la finale. Demain, c'est un mercredi soir. Peut-être qu'il va en avoir un petit peu plus. Sinon, je sais que le match numéro 6, le match le plus vu, ça a été le match numéro 6, Laval-Saint-Georges. À Saint-Georges, là, on a atteint le 390. On a atteint pratiquement le 400 dans ce match-là. Puis, c'est sûr que, tu sais, la finale, si ça avait été, mettons, je dis ça de même, mais tu sais, Jonquière, Laval ou peu importe, les chiffres auraient peut-être un peu moins de partisans qui feraient le déplacement, peut-être que les chiffres auraient été un peu plus élevés. Mais en même temps, je prends. Sachant que c'est sold out, peut-être que c'est ça. C'est ça, tu sais, peut-être aussi le fait que c'est sold out, peut-être qu'il y en a qui disent, je ne me donnerais pas la peine de me le prendre sur TVNH, mais. En même temps, c'est le fun d'avoir une finale là, proche qui fait que les deux buildings sont pleins. Là, fait que, mais non, c'est à peu près, ça ressemble à ça, les chiffres. Denis qui dit le nom de spectateur est à côté de l'œil en haut à gauche. Non, j'ai vu 400 quelques lors de... Le chiffre que j'ai donné, c'est le nombre de parties commandées. Là. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des forfaits. Ça ne comprenait pas les forfaits, ça. Non, là. C'est le nombre de parties commandées. Ouais, ça se peut que les forfaits ont pris le 400. Puis aussi, c'est le nombre de comptes qui sont connectés. T'sais, le monde, sont-tu 1, 2, 3, 4, 5 à l'écouter en même temps? Il y a ça aussi. Là, Là, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. On ne peut pas être plus que... On ne peut pas sur les... Non, mais je pense s'il y a un compte de connecté. Mettons, moi, quand je l'ai écouté le match numéro 6 à Saint-Georges, j'étais deux dans mon salon à l'écouter, dans ce sens. Dans ce sens qu'il y a un compte de connecté, mais on est plusieurs personnes en train de l'écouter ensemble. Ça, c'est sans compter les rediffusions dans les restaurants comme la Cage au Sport à Saint-Georges. On va avoir une méchante gang qui l'écoute là aussi. Fait que non, c'est des bons. Il y a aussi du monde qui regarde les parties en différé, dont moi. Mais mercredi, je risque d'être à Thetford, par contre. Ouais, moi aussi, on va être là demain. Yes. On verra. Je vous dis salut. on verra si on va s'il va y avoir une célébration ou pas demain. Ça va être le fun. Donc, si on parle peut-être un petit peu des matchs là, qui ont eu lieu, les matchs 3 et 4, Dave, deux victoires du Pool FM là, dans des matchs chaudement disputés. Ouais, ben tout d'abord, surprise, vendredi, un joueur qu'on n'attendait pas d'ici la fin des séries, qu'on pensait que ces séries étaient terminées, Alexandre Goulet qui effectue un retour au jeu. C'est sûr que, en tout cas, c'est mon humble avis d'observateur. Là. Je pense qu'Alexandre Goulet le fait passer la finale de la Coupe Verdure. Là. Je pense pas qu'il est à 100% parce que, ben, tu sais, pas pour créer de rumeurs ou peu importe, là, mais peut-être c'est une question de timing parce que ça fait un bout qu'il n'a pas joué, mais il ne me semble pas avoir la même explosion qu'il a depuis qu'on le connaît dans la Ligue nord-américaine. Il a quand même eu des bonnes chances de marquer un peu plus samedi. Samedi, il a eu quelques bonnes chances de marquer. Un autre joueur qui a effectué un retour au jeu samedi, Joey Ratel, qui était absent depuis la série contre les Marquis. Donc, c'est aussi le champion buteur de la saison. Ça ne pourra pas faire de tort pour la dernière fin de semaine de la maison. En fait, les deux champions buteurs des deux dernières années du côté de Thetford, ça risque de faire,
ça fera pas de tort pour terminer la série. Donc, ça va être à voir. Puis sinon, au niveau des matchs, je pense qu'on en a parlé un peu en début, mais tu sais, puis Fabien aussi l'a mentionné, là, Sébastien Auger a été la star de ces deux matchs-là. Les deux matchs-là, on a eu près de 20 tirs de plus que l'autre équipe là, du côté de Thetford Mines. C'est quand même une grosse différence. Là. En bas de 10 tirs, c'est pas tant que ça, mais il y a quand même une différence quand on se rend à ce nombre de tirs-là. Je pense que du côté de Saint-Georges, on fait ce qu'on fait depuis le début des séries de façon incroyable. Quand l'autre équipe fait une erreur, on les fait payer. Ils ont fait ça contre Sorel, ils ont fait ça contre Laval. Ils font la même chose contre Thetford. On a marqué 6 buts vendredi, donc on a brisé la séquence de Thetford. On a marqué plus que 3 buts. On a gagné samedi, mais on a marqué 3 buts par contre. Donc, Thetford n'a pas gagné plus que 3 buts, mais là, c'est eux qui ont de la misère à en compter. Mais non, vraiment, c'est tout à l'honneur de Saint-Georges. On dirait vraiment que cette équipe-là est en mission. On trouve toujours une façon de gagner. C'est assez impressionnant. Puis, il y a une chose, par contre, que je voulais mentionner, puis c'est parce que la série me fait un peu penser à la série, pas que ça va finir de la même façon, mais ça me fait un peu penser à la série en 2018, la série demi-finale entre les Éperviers et la Surancia. Les Éperviers perdaient la série 3-1. Il y avait Jean-Philippe Levasseur du côté de la Surancia qui connaissait des séries extraordinaires. Les Éperviers dominaient au chapitre des lancers. À tous les matchs, là, on atteignait du 40-45, près même de 50 lancers à quelques reprises. Puis finalement, les Éperviers avaient un 3 matchs pour le dernier week-end de la saison, de la demi-finale, et avaient remporté ces 3 matchs-là pour faire le comeback et gagner en 7. Puis après la série en 7, j'avais une entrevue avec Maxime Charron à l'époque. Puis Maxime Charron m'avait dit, mais tu sais, c'est la question cliché là, de ben, qu'est-ce que vous avez fait pour faire le comeback puis tout. Puis il avait répondu, il dit, tu sais, il dit dans la chambre, là, il dit, on n'avait rien vraiment à changer de la façon dont on jouait. Il dit, on allait chercher 40-45 lancers à chaque match. Je disais, qu'est-ce que tu sais, rendu là, c'est qu'est-ce que tu veux faire de plus? Fait que tu sais, c'était comme. On a juste continué à le faire, puis on s'est dit, un moment donné, ça va fonctionner. Ça va faire la moyenne, c'est ça. Fait que, je regarde Thetford en ce moment, puis je me dis, c'est quasiment un peu la même chose. Il y a peut-être juste le power play qu'il faudrait qu'ils produisent, parce qu'il n'y a pas vraiment produit en fin de semaine. Mais à part de ça, je regarde la façon dont ils jouent. Je veux dire, faut juste que ça débloque un moment donné. Tu fais un but chanceux là, qui bounce, les joueurs sont plus en confiance. Ils obtiennent leur shot, mais quand tu es plus en confiance, ben Tu vises un peu mieux le trou, je sais pas, peu importe, là, c'est des détails, mais ça me fait un peu penser à ça dans le sens que Thetford joue pas mal en ce moment, il joue quand même bien, c'est juste qu'on a un goaler qui est hot du côté de Saint-Georges, puis on profite de nos chances également du côté de Saint-Georges quand on en a, puis ils vont chercher des matchs comme ça, fait que, tu sais, c'est un... Puis du côté de Saint-Georges non plus, tu sais, on n'a pas à changer la façon dont on joue parce que ça fonctionne aussi. Je me demande un peu ce que Thetford peut faire de plus également, mais ça va être à voir pour la fin de semaine, mais c'est un peu ça là, mon analyse, si on veut, de la dernière fin de semaine. Ben, c'est sûr le fait que si on regarde, on parle de composition d'équipe, l'assurancia de Thetford, puis on en a parlé avec Bobby Barry aussi il y a 2 semaines, une équipe de vétérans, donc... ils en ont vu d'autres, ils ont déjà vu neiger, comme on dit. Donc, s'il y a une équipe qui pourrait faire un retour, qui ne doit pas paniquer en ce moment dans le vestiaire, ça doit être l'assurance. Oui, puis en même temps, par contre, je me dis du côté de Saint-Georges, s'il y a un coach qui je pense que si jamais Thetford gagne le match numéro 5 ou même le match numéro 6, qui paniquera pas ou qui va réussir à garder leur joueur focusé puis sa job, je pense que c'est Serge Forcier. Fait, je pense qu'on a quand même le bonhomme en place du côté de Saint-Georges pour prévenir une remontée quelconque. Mais, ben, c'est ça aussi qu'on peut dire, parce que ben, Martin Larivière, même lors de la même semaine, de la 2 semaines, avait dit justement que Serge Forcier était un peu celui là les qui rappelait aux joueurs de rester focus sur la game, qui gardait les gars dans la game
avait cette capacité-là. C'est sûr qu'on voit que le Cool FM est en mission également. Mm-hmm. Donc, on ne peut qu'espérer aux deux équipes là, que du côté de l'assurance-là, qu'il y ait un nom à monter, et que du côté du Cool FM, qu'on finisse peut-être ça mercredi ou bien devant nos partisans lors du prochain match. Et en même temps, David, ça prolongerait la série. Oui, ben, tu sais, du côté du Cool FM, c'est sûr qu'on ne veut jamais prendre de chance que l'autre équipe revienne en série. Fait que c'est sûr qu'on veut finir ça demain. Mais si j'étais un fan du Cool FM, ça ne serait pas la fin du monde si mon équipe perdait demain puis on avait la chance de remporter la coupe à la maison. C'est sûr que ça serait le fun. Mm-hmm. Un vendredi soir en plus et non un mercredi. Donc, ça reste à voir. Mais c'est sûr que du côté des joueurs du Cool FM, quand tu es dedans puis tu joues dedans, quand tu as la chance de gagner, tu apprends. Peu importe que ça soit un mercredi, un dimanche après-midi à la maison, ça route. C'est sûr que tu gagnes n'importe quand. Ouais, c'est ça. Dès que tu peux. Il faut voir que les joueurs vont peut-être caler aussi par précaution jeudi off. Ouais. Ouais, on va peut-être glisser un mot. Ouais. Ouais. Puis, juste Denis Arsenault qui voulait parler du but controversé un peu. Mm-hmm. Le troisième but, le but d'Yannick Tifu pour donner la victoire, là, avec une minute à faire dans le match numéro 4. Moi, personnellement, les arbitres, je pense que c'est probablement le record de la reprise vidéo qui aurait duré le plus longtemps. Mais honnêtement, je vois pas. Si on s'en tient au fait, là, si on veut pas prendre un parti pris, premièrement, qu'est-ce qui a été le jeu d'après aussi les arbitres? Là, est-ce que tu as eu vent aussi de. Qu'est-ce qu'ils ont été, là? Ils ont probablement expliqué leur décision. Non, je peux vendre ça, mais c'est ça. On ne veut pas donner notre opinion trop là-dessus, mais honnêtement, je vois. En tout cas, je vois difficilement comment ce que Yannick Tifu aurait pu faire comme autrement là, avec le rebond, mais on se dit le rebond est tombé. Probablement au pire endroit possible pour tenir du côté de Thetford Mines là, quand Francis Lecoeur, malheureusement, a donné le rebond. Fait que, c'était touché. Puis c'est toujours la question de quand un appel est fait, il faut que ça soit le hors de tout doute, comme on dit, pour renverser la décision. T'sais, ça aussi, ça rend souvent en ligne de compte. Ouais, faut donner le bénéfice du doute aux arbitres, mais je veux dire, sur TVNH. C'était un peu dur à voir. Il y avait beaucoup de trafic quand tu filais. Donc, Techniquement, les arbitres sont supposés avoir également le fameux iPad. Là. Donc, ils devaient aussi probablement avoir un meilleur angle que sur TVLNH pour prendre la décision. Et puis, Denis, lui, qui dit qu'il pense que le défenseur de Telford aurait empêché le gardien de revenir dans l'enclave et non le joueur de Saint-Georges. Quoi qu'il en soit, c'est déjà dans In the Book, là, c'est déjà dans le livre, là, dans le passé. Donc, on reviendra pas non plus. Ouais. On peut en parler en tant que fan, mais c'est sûr que du côté des deux équipes, que ce soit Saint-Georges, Thetford, pour eux, c'est ouais. C'est autre chose à penser. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ça rajoute à l'engouement d'une partie pour un fan. En tout cas, si t'es un fan un peu neutre là, qui regarde ça, mais c'est sûr que si t'es un fan de l'assurantia, c'est peut-être des fins de match qui vont faire que tu vas grincer des dents. Là, tu sais. Mais les parties ne peuvent pas être seulement du hockey de série, c'est justement plus des mises en échec, des jeux au filet, des rebonds justement. Que devant le filet, des retours de lancée, il y a beaucoup de buts qui vont se marquer comme ça. Donc. J'aime avoir. Là. Je sais ce que je dis. Ouais, ça va? C'est correct, j'avais de quoi dire, ça m'a sorti de la tête, je sais pas comment ça fait. André qui dit on regarde en avant à la télé, vous ne pouviez pas le voir. Ouais, ça, on le voit pas bien à la télé. LNH, même sur le fait saillant. T'as beau
reculer, ramener, c'est dur à voir. Good. Sinon, ben, je pense qu'on a, on a pas mal parlé un peu des matchs, de qu'est-ce qui s'en vient, que ce soit mercredi ou bien vendredi. Ben, t'avais, pour finir, tu avais des petites pilules. Ouais, pour finir, j'ai des petites pilules. Donc, la petite image ici, la pilule rouge ou la pilule bleue avec Sébéus. Donc, j'en ai trois pour toi, Dave. Let's go. Pour les fans aussi. Là. Et pour les fans. Bien sûr, vous pouvez donner votre opinion là, entre les deux choix, la pilule rouge, la pilule bleue, dans le chat. Et on va en discuter. Donc, Yannick Tifu ou Sébastien Auger comme MVP des séries. Donc, le premier pointeur en ce moment, Yannick Tifu, un gros but dernier match. Sébastien Auger, tout au long des séries, a été une carte maîtresse. Si on regarde même dans les autres séries, on peut dire qu'il a peut-être fait la différence. Ah, c'est que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était-tu par rapport à ça? Ou non, mais c'était par rapport aux séries. C'était par rapport aux séries, mais ce que je voulais dire, c'est que il reste que jusqu'à présent, la seule équipe qui a réussi à battre Saint-Georges à la maison en play-off, c'est Sorel Tracy. C'est ça, juste non, je voulais dire un petit mot Ouais, j'aurais envie de dire, ben, j'ai une voix qu'en tête d'un arsenal, j'aurais quasiment envie de dire dans ce sens-là. Tifu pour l'ensemble de l'œuvre. Il a été premier pointeur de la saison. Il a des chances de finir premier pointeur des séries. C'est pas mal le gars qui tire Saint-Georges avec Kevin Coutier, mettons, sur son dos depuis maintenant 2015. Il y a eu un petit arrêt-stop à Trois-Rivières à travers ça, là, mais c'est quand même Tifu resté à Saint-Georges pendant des années plus maigres, disons. Il a toujours été, il s'est toujours présenté, il a toujours produit. Je pense que ça irait à Yannick Tifu. La seule façon dont je verrais, je pense que Sébastien Auger a encore des chances. Sébastien Auger offre une autre performance incroyable. T'sais, mettons, il fait un blanchage pour aller chercher la quatrième victoire. T'sais, il fait une autre super performance. Je pense qu'il y aurait quand même un rendu là, ça serait tiré d'un chapeau, je pense, là, un ou l'autre, parce qu'il mériterait vraiment les deux. Mais je suis d'accord que Tifu, pour l'ensemble de l'œuvre, s'il finit premier pointeur des séries, ça va être très mérité, là, surtout quand on considère là, l'ensemble de son parcours à Saint-Georges. Je pense que ça serait mérité. Donc, Olivier Saint-Cyr dans le chat qui dit aussi Yannick Tifu, Denis Arsenault qui dit aussi le TIF pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est 3-0 là, jusqu'à date. S'il y a d'autres personnes. Ça dépend toujours des. Mais si on regarde, tu parlais, Yannick Tifu, premier pointeur des séries jusqu'ici, 25 points, 9 buts, 16 passes. Et puis, il y a 7 joueurs là, de Saint-Georges installés les 7 premiers rangs. Donc, Yannick Tifu, Philippe Hudon, Maxime Lacroix, Francis Paré, Anthony Béret, Mathieu Gagnon et Kevin Coutier. Donc, quand même un fait remarquable. Par la suite, c'est Dave Labrec là, qui, dans les. Il ben, faut le dire aussi, les deux derniers matchs, Dave Labrec, c'était la bougie d'allumage du côté de l'assurance. Ouais, il y a un but dans le premier match aussi, Dave Labrec. Ça a été le meilleur attaquant de l'assurance depuis la finale. Avec, je dirais, Maxime Lecour, quand même, 4 buts aussi depuis le début de la finale. Là, lui aussi, mais. Il y a eu un match de 2 buts aussi, je pense, de Labrec. Dans le match numéro 3. Donc, deuxième pelule. André Lessard qui dit « Je vais attendre ». Je pense que peut-être qu'André voudrait... Ça s'est déjà vu, hein? Des joueurs de l'équipe perdante, hein, qui gagne les pieds. Ben, je ne dis pas que c'est l'assurance. Ça pourrait être aussi un joueur d'assurance qui est gagnant. Advenant, ça serait dur quand même de choisir. Tu sais, on en a parlé les autres semaines avant. Mais, On enchaîne. Deuxième. Est-ce qu'on y va avec Francis Leclerc ou Philippe Cadorette pour le prochain match? Ouais, c'est une bonne.
C'est quand même Philippe Cadorette, ben, tu sais, si on enlève les Étienne Marcoux de ce monde, c'est quand même Philippe Cadorette qui a encore le meilleur pourcentage d'arrêt depuis le début des séries, malgré sa contre-performance vendredi. C'est dur d'aller contre lui avec sa, tu sais, la fiche de route qu'il a. Fait que, tu sais, je pense que ça va être lui. François Leclerc a pas mal fait. J'aimerais peut-être revoir le dernier, le lancer qu'il a mené au retour sur le troisième but, mais à part ça, il n'y a rien à se reprocher. Il a quand même très bien fait son travail. Je pense que du côté de Taffer Mind, ça risque d'être. Si on se rend au match numéro 7, ça risque d'être Cadorette, Leclerc, Cadorette, à moins que Bobby décide de faire Cadorette, 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 si jamais il y a une grosse performance demain, mais je pense qu'on va revenir avec Philippe Cadorette. Un peu comme Denis Arsenault a dit pour Tiffy, là, pour l'ensemble de l'œuvre, je pense que Cadorette, c'est l'homme de confiance à Bobby Barry. Sans rien enlever à Francis Leclerc, parce qu'il a très, très bien fait lui aussi, mais je pense que demain, on risque de voir Cadorette. C'est ma prédiction, ce que j'ai raison. On verra, mais je pense que j'aurai Cadorette. Et la dernière pelule pour le principe, est-ce que Cool FM gagne ou retour de la Surancia? Ouais, honnêtement, depuis le début, je pensais quasiment le début des séries. Je voyais comment l'assurance jouait, puis dans ma tête, c'était de loin les favoris pour tout remporter. Mais honnêtement, je pense que c'est un peu l'équipe Cendrillon. Ben, pas Cendrillon, parce que je veux dire, ils méritent ce qui leur arrive. Là. C'est pas comme s'ils étaient tant les underdogs que ça. Là. Le Cool FM ont quand même connu une super saison. Mais la façon dont les choses vont, je pense que le Cool FM va gagner. C'est eux qui ont le momentum. C'est sûr que. En fait, je ne le dirai pas. Je le dirai pas. Je vais dire qu'est-ce qui a été dit dans le chat. D'abord, pour les gardiens, Olivier Saint-Cyr, qui a dit Cadorette. André Lessard qui a dit Bobby Barry va aller, à mon avis, avec son pattern de un gardien. Je le dirai pas ce que je veux, mais mettons que pour une raison X ou un autre, j'irai pas ça passer mon samedi soir à Tether Minds. Donc, Karen Baudouin qui dit Tedford. Denis Arsenault qui dit « Cool pour le momentum ». Olivier Saint-Cyr, « Cool FM ». Samuel qui dit « Cool FM pour Demers, Piper et Tiffu ». C'est vrai, ça serait... Tu sais aussi, Demers, ça fait longtemps qu'il est dans la ligne américaine, n'a jamais gagné la Coupe Verdure. Je serais content pour lui. Même chose pour Yannick Tiffu. Je pense que c'est des joueurs qui le méritent amplement. Denis n'est pas content de ton choix. Non, mais je vais aller visiter les mines. Là. C'est pas pour là. Ah, Karen Baudouin, c'était Cool FM qu'elle voulait dire. C'était pas l'assurance. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 3, 3-1. Si on compte en André, qui est un partisan de l'assurance. 3-1, cool. Là, chez les partisans qui nous écoutent. As-tu un petit quiz, Dave, peut-être? J'avais une petite question, mais... Je vais la faire pareil là, pour finir là-dessus, mais je voulais savoir, petite question, c'est un peu une colle, là, mais depuis le début des séries, dans la ligue américaine, de tous les joueurs de centre ayant pris au moins 100 mises au jeu, c'est... Quel joueur qui a le meilleur pourcentage de réussite? Dans les séries présentes, là? Dans les séries présentes. Dans les séries présentes, dans le centre. Dave Hamel, une mise au jeu. Un tir bloqué, Dave Hamel, vendredi soir également. Il est en train de se monter des stats. Donc, Olivier Saint-Cyr qui dit Francis Paré, André Lessard qui dit Maxime Lecour. Moi, j'aurais dit Maxime Lecour aussi.
Bon guess de Denis Arsenault. Asselin, Jannick Asselin est deuxième. Ah ouais? Ouais, Jannick Asselin est deuxième. Moi, je dis Maxime Lecour. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse? Ou... C'est une colle, fait que disons que la direction que Denis a pris, c'est... Mettons, il est plus chaud que ceux qui nomment des joueurs qui jouent ensemble. Fait que ça serait un joueur des 3L. Ben, un joueur qui est éliminé. OK. Ouais, il y a Samuel qui dit « As-tu un centre de Sorel qui a pris sa mise en jeu? » Ouais, c'est ça, c'est Dave qui voulait ramener... peut-être, la game 1, c'était rendu en overtime, peut-être grâce à ça. Il y en a un qui s'est rendu à ça. Donc, on prend un guess pour un centre de Sorel. Non, c'est pas un centre de Sorel. Non. Il y a des Maxime Massenauer un peu, là, je vois. Non, c'est... Mathieu Landry. On va donner les... Celui qui a répondu, Maxime Massenauer. C'est la bonne réponse? Ouais, il se rapproche. C'est pas la bonne réponse, mais il se rapproche de plus en plus. Il se rapproche de Laval, tu vois. Chabot? Philippe Chabot? Non, c'est pas Chabot. Chabot est toujours très bon. Non. C'est l'autre joueur de centre qui en prenait beaucoup. Poulain? Nicolas Poulain? Non, Poulain, lui, il est plus à l'aile, prend moins de mise au jeu. Qu'est-ce qu'il prend des mises au jeu à Laval? Un gars qui a déjà été MVP dans le Junior 3. Tu as des réponses dans le chat? François Poliquin qui dit Francis Desrosiers. Non, pas Francis Desrosiers. C'était une recrue cette saison. C'est Joël Caron. Oui, c'est Joël Caron. Il a le meilleur pourcentage, 66,18%. Ah. J'essaie de trouver quelque chose. Puis, j'ai beaucoup d'inspiration. Je me suis dit, j'ai laissé un peu le monde participer. Mais, ouais, ça venait pas. C'est Joël Caron. C'était tough, là. C'était une colle, mais ça va faire pour asseoir. Bon, c'est bon. On a réussi à parler de toutes les équipes. Tu nous as parlé des Épervilles, on a parlé des 3L, on a parlé des Marquis avec les deux nouvelles en début de show. On a parlé des Pétroliers pour la question quiz. Donc, on a parlé les bâtisseurs. On n'a pas rien dit sur les bâtisseurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les bâtisseurs ont leur tournoi de golf. Oh! Pour votre golf? J'ai pas la date là, de... On n'aurait pas parlé. Oh, je crois que t'es en train de taper, là. Mais, ouais, donc... Bon, allez, on va regarder vite, là. On va finir là-dessus. Le tournoi de golf des bâtisseurs. C'est le 21 mai. Le 21 mai, ouais. Donc, pour ceux là, qui seraient intéressés, on peut s'inscrire jusqu'au lundi 15 mai. Puis c'est le 21 mai là, de 9h à 23h. 21 mai, super belle date. C'est un dimanche. Donc, le lundi, on est en congé. Fait que si on va aller souper avec les dirigeants de l'équipe, on va probablement avoir des joueurs également. On peut se coucher un peu plus tard parce que le lundi, c'est congé férié. Donc, le 21 mai, là, le tournoi de golf des Bâtisseurs. C'est écrit également qu'on peut acheter des billets juste pour le souper et cocktails, donc si on ne joue pas au golf. C'est au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Donc,
Ah, puis Denis qui dit que le tournoi de golf des 3L, c'est le 3 juin. Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Il y avait trop de nouvelles, les 3L, aujourd'hui. C'est dur de toutes les faire, mais oui, les 3L qui ont annoncé leur tournoi de golf le 3 juin. Peut-être que Antoine Masson va être là. Peut-être que c'est ça que ça prend. Ouais, exact. All right. Donc, là-dessus, merci à tout le monde de nous avoir écoutés encore massivement ce soir. Merci, Dave. Merci à Fabien Dubé, qui a été un très bon invité. Fabien, de la misère un peu avec la technologie, il a quand même assez verbomoteur. Quelques révélations, quelques scoops aussi sur la prochaine saison. On a posé des questions peut-être sur des sujets peut-être un petit peu moins faciles, mais très, 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 très bien répondu. Donc, c'est très bon comme entrevue. Yes. Donc, en se souhaitant un bon restant de finale, que ce soit mercredi, vendredi ou samedi, donc profitez de l'ambiance au maximum. Je ne peux pas dire aller dans un aréna près de chez vous, là, parce que c'est sur l'autre. Ouais. Au max, pour vrai, les matchs restants, là, je pense qu'on vit quelque chose de gros, là, puis il y a un engouement grandissant pour la Ligue nord-américaine. Je pense qu'on le voit quand même, là. Fabien le dit aussi en début de show. Je pense que c'est bien réel. Donc, en se souhaitant des bonnes émotions là, pour les matchs restants. Exact. Puis, David veut aller à Thetford, c'est ça qui est à retenir. All right. Bonne donc, main, yes. Je vais au moins une fois. Merci. Merci tout le monde. Merci Dave, merci Fabien. Donc, faites attention à vous au retour à la maison et venez pour le dernier podcast mardi prochain. On va essayer de recevoir là, des gagnants, là, quelques gagnants là, de l'équipe qui sera la grande championne. Au revoir. Yep.